Bonjour les amis, salam habibati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ma cuisine Mona Cooking, on va réaliser un plat riche en couleurs et en saveurs. Ce plat, kebab de viande de bœuf, pois chiches et aubergines. Pour le réaliser, on aura besoin d'une belle pièce de viande de bœuf, de l'huile d'olive, un oignon, de l'ail, une poignée de pois chiches, des tomates fraîches, du persil, du piment si vous souhaitez et des aubergines bien fermes. Pour les épices, j'aurai besoin du sel, du poivre, cumin, gingembre, curcuma, paprika, piment doux et persil séché. Je commence par trancher mes aubergines, pas trop fines, garder l'épaisseur. Voilà. J'ai allumé mon four à 200 degrés. J'ai disposé mes aubergines sur le plateau et je vais les badigeonner avec un peu de l'huile d'olive. J'ai fait chauffer l'huile et j'ai disposé ma viande. Je rajoute l'ail et l'oignon. Et je laisse revenir. On fait bien revenir la viande, je la tourne de l'autre côté. Voilà, bien marquée. Et je rajoute les épices, melh, fefel lekhel, kumoun, mesquite djbir, paprika, fefel lahma, curcuma, le curcum, le chouïa tchalma, nous chèye. Voilà, je le tourne. Et je laisse m'échauffer un peu. Voilà, la viande bien marinée dans les épices, bien saisie. Qlit mliḥ mliḥ lḥamḍ lillah tiḥaj ḥatḥa mliḥ mliḥ. Donc nḥatouha, on va mettre la tomate concassée. Voilà, j'ai mis 3 tomates. Je laisse fondre. Je vérifie mes aubergines dans le four. Je dépose le piment. Je couvre et je laisse fondre. Les aubergines bien grillées, je les réserve. Je mets un peu d'eau. Un peu de verdure. Et je laisse mijoter. شوفوا حبيباتي هذا الطبق ما يطلبش لا صوص بزاف ما نسحقوش المرقه بزاف دونك خليوه ينشف اون ليس ريدوير لا صوص جون اي مي ان بولي دوي دو 125 مليليتر دو سي تو لا فيوند الي انا كوي دون لو جو دو لا طوماط فريش سو بلا نا با بيزوان دو بوكو دو صوص دونك راجوتي لي بوا شيش اكسكوزي جي اوبليي دو فير مارشي لا كاميرا. Regardez, et au bout de 5 minutes, on va rajouter les aubergines grillées. Elles sont là, on va les rajouter ici, à la surface, parce que le but c'est juste qu'il absorbe un peu de sauce, mais parce qu'ils sont déjà bien cuits. Voilà. De la cuisson, je mets un peu de cumin, regardez, juste un peu, ça porte le goût. Une petite cuillère
vinaigre. Regardez, une cuillère à soupe de vinaigre. C'est important, ça rapporte un très très bon goût. Et à la fin, on va mettre les herbes. Et un peu d'oignon, regardez. Et un peu d'oignon haché. Voilà. Et bon appétit, bien sûr. Si le plat vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Mona Cooking, de laisser un commentaire, de liker mes vidéos et d'appuyer sur la petite cloche. Merci, je sens qu'on va se régaler. À bientôt!